اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Quand une femme fait la salat, doit être mis ses mains en dessous de son couloir ou au-dessus quand elle a la main sur la poitrine. Ce que je sais, c'est que la femme fait la prière comme l'homme. La femme fait la prière exactement comme l'homme. Et quiconque dit qu'il y a une différence en une partie de la salat entre l'homme et la femme, il doit faire venir un délil. Il doit dire il y a un délil qui dit que la femme ici ne fait pas comme l'homme. Car il n'a même ni ça ou chaka et corrigel. Le din hada a été descendu spécialement, généralement pour l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans les adorations, sauf les adorations spéciales où la femme, quand elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière, quand elle a les lochis, elle reste plusieurs jours, etc. En principe, elle met les mains sur sa poitrine exactement comme met l'homme. Et puis, il y a autre chose. Maintenant, si les mains, c'est pas une aura en dehors de la salat, ou si elles ne sont pas une aura dans la salat. Parce que si dehors elle peut montrer ses mains, c'est qu'elle peut les montrer aussi quand elle est dans la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.